Yes, bonsoir à tous. Alors on va plateformer sur Prince of Persia. J'ai fait la version démo il y a pas longtemps. Et donc je l'ai pris sur Nintendo. Question pratique, jouer en portable et tout. Mais là on est dans le jeu au complet, donc je me réjouis de faire ça avec vous. Qu'est-ce que c'est, ça marche? Ouais. Ouais. Check sound. Ouais, c'est bon. Bon, on va partir direct. Alors, version démo, ils nous ont laissé sur la fin. Hein. Ils nous ont laissé juste avant le premier boss. Ah, donc, voilà, on va. Je sais pas comment ça recommence là. Mais je pense que ça a fait depuis le début. Je règle mes petits paramètres et après on y va. Alors. Fil d'actualité. Alors on y est. Donc mise à jour gratuite, épreuve divine, une nouvelle porte de refuge. C'est bien le contenu additionnel qui s'avait promis. Est-ce que c'est déjà là? Nouvelle porte de refuge est en quête de Dingarié. Venez à bout des nouvelles énigmes, d'épreuves de plateforme et de défis de combat pour débloquer des tenues et des amulettes comme preuve de vos triomphes. Cool. Sauvegarde sur le cloud, pas de données sur le cloud. Donc, il n'y a pas de sauvegarde hein, par rapport à ça, mais c'est pas grave. Explorez le monde avec un minimum d'informations sur la carte. Choisissez ce mode pour découvrir le monde par vous-même. Les icônes sur la carte indiquent l'emplacement des prochains objectifs. Je sais pas comment c'était sur la démo. Je crois pas qu'il y avait ce choix. Les passages ouverts... ou bloqué, choisissez ce mode pour une navigation facilitée. Je sais pas, j'hésite. Vous pouvez changer de mode à tout moment, par exemple en commençant par le mode exploration et en passant au mode guidé et vice versa. D'accord, bon, on y va comme ça. Donc, on avait pris pour les joueurs qui veulent un combat plus redoutable, on avait pris guerrier, un standard du jeu. On peut bien configurer le bordel. Bon, on va commencer tranquillou. Héroïquement, mais ses hommes étaient tombés un à un.
Anaïta jetait ses dernières forces dans la bataille. Uvishka, le général Kushan, savait que la victoire était assurée. Pourtant, l'histoire allait suivre un autre chemin. Les sept immortels étaient les meilleurs guerriers du royaume. L'un d'entre eux allait devenir une légende. On n'avait pas droit à ça à la démo. Hein. Immortel en avant. Yes, bah à la démo on n'a pas le droit eu. Anaïta. As-tu ça? Attends, je suis pas prêt. Ne t'en fais pas pour moi. Ça va, sauf Persepolis. Je vais aider mes gars. Bon, là, un peu déjà fait, donc dans la démo, mais c'est pas, non, c'est pas exactement au même endroit en fait. Ah, ouais, ouais, je peux pas encore. Ok. C'est bien stylé. Je peux pas dasher en sautant. Attention, c'est le Rajaba. Ah ouais, ok. C'est tellement dynamique. Aucun d'entre vous ne sortira vivant d'ici. ZL pour parer une attaque. On peut les buter dans le décor, c'est pas mal ça. Wow! Il a pris un coup de speed. Ouais, ça enchaîne. Ouais, alors la démo, il y avait vraiment un passage défini par la démo, quoi. Ça bastonne ? Qu'est-ce qui se passe ? Wow, wow, ça suit, hein. Il est gentil, copain. Ah! Ah!
Ça rap-up ou comment? Ouais, c'est un peu, c'était scripté là. J'ai pas vu. Oh, ça y va là. Waouh, s'enchaîne. Les immortels, ne les laissez pas s'approcher du général Humishka. Ok. Attention, charbon. Ouais, faut être attentif. Les attaques en l'air sont assez longues. Pas mal. Ne doit plus être loin. Je m'occupe de lui. Tiens, tu pourras en avoir besoin. C'est quoi, de la popo? Ah, une popo. Potion de soin permet de soigner. Appuyez le. Une peu de popo. Du tas jus. On va être bien avec ça. Mais je vais pas la boire maintenant. Les décors derrière, c'est magnifique. Waouh, heureusement que je me suis blessé. Humishka, tu peux plus te cacher. Attaque chargée. D'accord. Soit la tienne. Ok, premier boss, général Kishan. Là, ça touche. Là. Ça compte pas bien comme ça non plus. C'est chaud. Ouais, ok. Ok, ok, faut que je pige les patterns là. Parier avec ZL pour un contre machin. Ouais, d'accord. C'est pas mal ça. Cheval. Mais nous on est mal.
C'est la phase 2, je pense. Yes. Faut que je saute là. Les attaques chargées, c'est pas mal aussi. Ouais, si je saute, ça va. Ah ouais, les attaques en l'air, c'est pas mal non plus. Ah merde, my bad. Ah. Salaud. Ah, salaud. Salut Jack, comment ça va? Bienvenue. Alors le passage de la démo, rien à voir avec le jeu là. Franchement les enchaînements hyper dynamiques, les boss qui sont... Bon, c'était le premier là. Deuxième run. C'est toi que la mort a choisi. Comment tu vas? Ça va, ça s'arrange? J'ai vu que tu m'avais rien envoyé encore, mais tu m'as dit en fin de semaine. Notre puissant protecteur a quitté le ciel de Perse. J'ai acheté sur Switch. Parce qu'il est en 1080p et 60 images secondes quand il est docké. Et puis comme au local, j'ai une série S. C'est la même chose. Là, avec la série 10, 120 FPS. Mais ça, c'est pour la maison. mais je ne l'ai pas pris sur série 10. Il y a 30 ans. Ah non. L'oiseau divin Simorgue s'est posé sur mon épaule. Ainsi, il m'a désigné pour guider notre peuple. Aujourd'hui, moi, Tomyris, reine de Perse, je rends grâce à votre bravoure et votre loyauté. Varam, toi et tes guerriers... Non, mais sur Nintendo, il est nickel. ...sauver le royaume. Hassan, le prince de Perse. Avance, jeune Sargon. Tes exploits résonnent le long des murs de Persépolis. Et comme je joue beaucoup en portable, ça me va. Reçois cette étoffe royale en témoignage de notre reconnaissance. Sargon, le Rachabar, le vent noir qui détruit tout sur son passage. Je n'ai pas choisi ce nom. Nintendo. Sois sans crainte. Je n'accorde aucune importance à ces superstitions. Les vents transportent aussi les graines des moissons futures. Je suis vraiment content de te rencontrer, Sargon. Merci, Prince Hassan. Oublions tous ces titres. J'espère qu'on aura l'occasion de faire connaissance dans un contexte moins protocolaire. C'est entendu, Hassan. Objet clé obtenu, étoffe royale, offerte par Tomyris, reine des Perses, une des plus hautes distinctions honorifiques réservées aux guerriers les plus valeureux. Bon, ça. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ton nom inspire l'espoir chez les Perses et la peur chez l'ennemi. Peut-être. Tu sais, je n'ai pas demandé à être prince non plus.
mais je... Bon, il y a un peu de l'or, là. Varam, à part nous, les immortels se sont éclipsés. Le faste du palais, c'est pas vraiment leur élément. Vas-y, Sargon. Je vous rejoins dès que je peux. Alors, le palais. Niveau de la map, j'ai pas encore de... Ok, puis niveau exploration, ça, puis ça, comment ça marche? C'est les objets de quête, ok, ok. Longue vie à la dynastie Tomiris! Peut pas, veut pas. Tu t'es bien battu, Sargon. J'ai terrassé Uvishka. Persépolis est sauvée. Vraiment? Des milliers de morts sur le champ de bataille. Nous n'avons plus aucune ressource. La Perse survit à peine. Et les Kushans reviendront, c'est sûr. Tu appelles ça une victoire? J'ai laissé parler mon orgueil. Le chemin du guerrier ne s'arrête jamais. Et quand il n'y a plus personne en travers de sa route, alors il se demande... Qu'est-ce qu'il y a au bout de ma lame? Oui, je sais. Tu as trouvé la réponse? Je pense pas y réfléchir ce soir. Ou alors peut-être autour d'un verre? Viens avec ouais, nous. Tiens, okay. Bonne idée. Ce qu'il a fait bien beau aujourd'hui. Merci. J'ai autre chose de prévu. Tu as tout pour devenir l'un des plus grands guerriers, ça. Je sais. Et tu le verras. Et écoute, Varam. Il t'aidera à rester sur le bon chemin. Je peux passer maintenant ? Je peux même plus lui parler, lui. Je peux pas encore sauter et dasher. Saute contre le mur. Ah ouais, d'accord. Je te jure, si ça se trouve, le prince Hassan, c'est mon fils. Arrête, Rod. Il te ressemble pas du tout. Il tient de sa mère, c'est tout. Pas son genre. Pas le genre de qui? Ah! Le gamin a finalement décidé de nous rejoindre. Le héros du jour. Le nouveau protégé de la reine. Alors? Tu fréquentes l'aristocratie maintenant? Cherche à troquer tes épées pour devenir un satrape? Allez-y, lâchez-vous. Mais rappelez-moi, qui a éliminé un général ennemi ce soir déjà? Va pas dans leur sens, Sargon. C'est leur manière de dire qu'ils sont impressionnés. Ah, il a raison. Tu as été incroyable. Si tu veux être plus tranquille pour parler, je suis juste là-bas. Comment ça, plus tranquille pour parler? Alors? Tu te rappelles encore de nous maintenant que t'es célèbre? Oui, bien sûr. J'essaye surtout de comprendre ce qu'il y a au bout de ma lame. Ah, je vois. On dirait qu'Anaïta t'a remis les idées en place. À sa manière. Tu sais... C'est incroyable ce que t'as fait. Tu peux être fier de toi. C'est un des nôtres qui a éliminé le général Kushan. T'es aussi la fierté du lion blanc, on dirait. Bande d'immortels. Vous avez toujours été faits pour la grandeur et la gloire. Et avec le dernier haut fait de Sargon, on va encore remplir les livres d'histoire. On a sauvé la ville. Le peuple a retrouvé la paix. Ah oui, la paix, tout ça, parfait. Mais du coup, quand est-ce qu'on va fêter ça? Ah, je veux dire, là où on sert le manger et le boire. Le manger et le boire. Surtout le boire. Je ne rate jamais ça. Varam, le prince Hassan s'est fait enlever. Des ravisseurs? Ils sont sûrement encore dans le palais. Vas-y, Sargon. Tu es l'un des derniers à avoir parlé au prince. Il faut retrouver le prince Hassan. Ah, les enchaînements sont cool. Les gardes d'Anaïta?
Qu'est-ce qui lui arrive? Ah, il est en furie là. C'est Dragon Ball. Éclat d'Atra. Et l'énergie sacrée qui brûle dans chaque être vivant. C'est le ki quoi. Au combat, les plus grands guerriers peuvent contrôler leur Atra, intensifiant sa lumière pour utiliser des capacités exceptionnelles. Les actions offensives de Sargon permettent d'accumuler de l'Atra, tandis que de subir des dégâts on fait perdre l'accumulation d'Atra et est affichée dans une jauge en bas de l'écran. Une fois devient plus disponible en existant. Alors, ZL Y pour utiliser le premier éclat. Ouais, d'accord. C'est efficace en effet. Bon, on l'avait vu sur la démo ça. Donc ça le charge pendant que. Pendant que je tape. Ça s'arrête pas. Salut Musicos, comment tu vas? Bienvenue. Anaïta. Bonsoir à toi. Mais qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas prévu de te tuer, Sargon. Reste en dehors de ça. Écarte-toi. Ok, beaucoup de mise en scène. C'est excellent. C'est quoi ça? Toujours un enfant. Bon, on m'a laissé avec qui là? La danse du sabre, c'était pas juste pour le style. Ah, quand il a le. Ah ouais, d'accord. Quand il a le rouge, comme ça. C'est... Attends, une attaque impériale œil rouge ne peut être. Ah, ne peut être parée. C'est ça. C'est ça. Mais je peux passer dessous. Ok, ok. Ah, par contre, ouais, ok. Ah putain, j'oublie. Yeah. Ah purée.
Ah putain, j'ai sauté. Oh salaud. Ouh, ça lui a enlevé masse machin. Non. Ah ouais, là l'aspect est pas mal hein. Ouais, il est mort. Je lis l'aspect. Anahita, qu'est-ce qui se passe? Sargon, c'était qui? J'ai cru apercevoir Anahita. Est-elle impliquée? Oui, c'est bien elle. Aucun doute. Varam, rassemblez vos guerriers. Partez immédiatement au mont Kaf pour retrouver le prince Hassan. Ardashir et ses soldats sont déjà sur ses traces. Ils auront besoin de votre aide. Vous pouvez compter sur nous, Majesté. Ramenez-le. Ramenez-moi mon fils. Tendu. Ancienne citadelle. Anahita a emmené le prince derrière ses portes. Je ne comprends pas dans quel but Anahita a pu faire ça. Sargon, tu la connais bien. Qu'est-ce que tu en penses? Ça n'a aucun sens. Mais là, elle a toujours été loyale. Elle veut prendre le pouvoir pour elle seule. Ah, qu'est-ce que tu veux dire? Le dieu Simorg a disparu, mais il vivait là, au mont Kaf. Il y est peut-être encore. Depuis toujours, c'est le Simorg qui nomme les rois et les reines. Hmm. Anahita veut sûrement obtenir sa bénédiction. Mais pourquoi enlever le prince Hassan? Elle en a besoin. La porte du temple du Simorg ne s'ouvre que pour les membres de la famille royale. Elle a perdu la raison. Elle n'aura jamais la bénédiction du Simorg comme ça. Je ne parierai pas là-dessus. Le Simorg est peut-être affaibli. Une chose est sûre, le prince Hassan est en danger. Elle le tuera dès qu'elle n'en aura plus besoin. Immortel, allons-y. Nous pouvons prêter main forte à Ardashir et retrouver le prince. Attends-moi ici. Ne t'inquiète pas, je ne serai pas long. Ok, quête principale perdue au mont Kaf. La map, toujours pas de... Fonce vers un ennemi. Attends, c'est quoi ça? Ah ouais, c'est ce qu'on a débloqué. Je vois pas où... Normalement, c'est là, la map, mais là, il n'y a pas de map. Peut-être qu'il faut trouver la carte. Sacré. Déjà venu? Alors ça, on a dû le faire dans la démo. Non. Je crois que c'est ce coin-là. Mais les écrits parlent. C'était le palais du roi Darius. Religion, médecine. On y va, on y va, on y va. Personne n'en est difficile. Est-ce que je vais pas peut-être un peu vite? Là, on n'y arrive pas. C'est quoi cette magie? Je suis guerrière, Sargon, pas mage. Figée en pleine chute. Comme si le temps s'était arrêté.
Basse citadelle. J'aimerais pas. J'ai pas de map. Là, on pourrait descendre. Là, c'était bloqué. Ah, c'est toujours bloqué. Sur la démo, hein, c'est bloqué là. Ok, on verra ça après. Soyez vigilants. Le prince Hassan ne doit plus être loin. Cet endroit ne me dit rien. Nous devrions rester prudents. T'as raison, Ménolias. Va vite te trouver un trou et planque-toi comme un cloporte. Je ne plaisante pas, Orod. Je ressens une présence bizarre. Oui, je le sens aussi. Il n'y a qu'un moyen de savoir. Allons-y! C'est le corps d'Azad, un soldat d'Ardashir. Ses chairs sont putréfiées depuis longtemps. Regarde, bah, il pue de la gueule. Hein. Oui. Ils sont partis c'est juste tout, avant c'est nous. Tout vert. Ah, qu'est-ce qui se passe? Nous ne sommes pas les bienvenus. Soyez sur vos gardes. Retrouvons le prince et Anaïta. This is the mission. Allons vers l'est. Non, je ne crois pas. Tu vas me faire perdre mon temps. Débrouille-toi tout seul. Ah, charmant. Ah ben voilà, ils reviennent à la vie. Oh, point rouge, point jaune, ça je crois qu'on peut pas esquiver. Bon bah il meurt. Ah voilà, on commence à récupérer des cristaux. Là on est dans le vif du sujet. C'est un peu le tuto avant. Ouh, c'est bon ça. Mmh. Map, toujours pas. J'essaye. Je peux pas choper là-haut. Ah bah. D'accord. C'est du lore, ça, je crois. Hein. Puissance 101, zone de connaissance, il détient la clé de toute vérité. Il est le gardien du temps et des destinées. Il va à l'exil de toute chose. Et puis, vas-y, machin. D'accord.
Ah, t'es là. C'était quoi le Beans là? Non, y a pas de manivelle. Ça fait des pièces de buter des éléments du décor. Ah, mauvais timing. Plateforme descend en bas, ok. Bon, elle avait plus ou moins fait tout ça déjà, hein, dans la démo. Qu'est-ce que tu fais là? Ne t'inquiète pas pour moi, j'en connais, j'ai déjà fait. Blablabla, j'ai déjà fait, hein, donc je zappe. Dis-moi, nous sommes, est-ce que c'est un prince, en tout cas, c'est quoi? Un objet. Ouais. Œil du vagabond, cet œil vert magique permet de cartographier tout le mont Kaf. C'est exactement ce que je voulais. N'est-ce pas? Voilà, on avait fait tout le bordel là, arrivé jusqu'au boss. Donc on va essayer de speedrun. Non, c'est cartographié. Merci beaucoup, petite. Je connais pas. Je m'appelle Sargon. Alors, je pars. De Christ. Attends, normalement, je devrais pouvoir passer. Ah, purée. Il me semblait que dans la démo, il me semblait que j'avais pris Kokoff. Putain. Bon. Aïe. Ok. Alors, pas tout le temps. Il y a un petit passage à gauche, mais on le savait. Par contre, là-haut, sans se faire toucher, c'est chaud, hein, je pense. Je pense que c'est juste pas peu possible, à moins que... Oh, super. Puis là-haut, il y a quoi? Il y a un gros petit groupe, il y a des ressources. Viens par là, copain. Viens. Eh, viens.
C'est discret, tranquillou. Masse ressource là. Il y en a un autre. Lui, je crois qu'il n'y a pas besoin. Hein. Après, on peut passer par en bas. Ah! Pas bon ça. Hein? À l'autre! Ah, il a fait, il m'a fait le coup! Oh merde! Je suis toujours. Ah, ça veut pas. Ça m'embête de pas pouvoir dasher en sautant, mais je crois que maintenant que j'ai déjà fait le truc, j'ai pas besoin de retourner. Hein. Là où il y avait le lion. Ok, ok. Avanti! Le son il est bon. Ouais, donc c'est où je passe par le bas ou je passe par le haut. Me semble. Ouah, salaud. Ah le salaud, mais il est toujours là. Mais d'accord. Mais mec! Je fais un apagawak. Yeah.
Heureusement qu'on l'a déjà fait sur la démo. Mais je peux pas déjà améliorer des trucs. Ah, il faut que j'aille à la boutique un peu plus loin là. Ok. Au bon endroit là. Mais non. D'accord, ils sont vis là. Mais là, il y avait rien. Ah oui, c'était pas là. C'est chaud quand même. C'est chaud. Obligé de me les taper tous aussi hein. Mais mec, j'aurais peut-être dû le garder pour le tigrou là, mais bon voilà, c'est fait. En bas, je suis un peu coincé en haut. Alors, comment ça se passe au niveau blanc? Ah là, ça réapparaît ici. Donc là, en fait, il faut plutôt passer par là, puis monter là-haut. Ou à moins qu'il faut passer par là, puis après descendre par ici. Je ne me rappelle plus. Attends, là, je suis où? Je suis là. Ouais, là, ça passe par là. Je suis peut-être obligé de le battre. Sale ouf! J'ai pas pris la popo! J'ai pas pris la popo!
Mmh. Allez. Ah mais t'étais mort, ok. J'ai eu un coup de flip sur la fin. Ok, donc ça... ça mène ici, puis là ça mène à l'arbre. Donc il faudrait peut-être passer par là pour arriver par là. Wow. Ok, on peut péter ça. Ok, donc là, on pourrait potentiellement passer par là. Passer par là en bas. Alors c'est par là d'où je viens, mais... Est-ce qu'il y aurait un passage? Ok. C'est après, ok. Elle n'était pas passée par là. Ouais, du coup, on arrive ici. Bon, il y avait un autre passage par là-haut. Bon, on va commencer par là. J'aimerais bien trouver un autre arbre, au fait. Ah. Ça s'est fermé. Donc ici, cul-de-sac. Mais il y a un passage qui dit que ça remet par ici. Ok. Y a pas une trappe là pour... pour descendre ? Ça veut pas ici, ok. Ah, je peux pas contrer. Alors donc, faudrait peut-être aller par là où est-ce que je peux faire ça. Ouais. Sauf que comment ? Salaud !
Sauf que c'est fermé. Ok, là c'est bloqué. Là c'est bloqué. Bon bah du coup c'est par là que ça se passe. On peut passer par là. Putain, il repop ce con. Ok. C'est pas le meilleur endroit. On l'a déjà fait. Ok, puis on arrive sur l'arbre. Ok, bon. Voilà, j'ai créé qu'il faut passer. Ah, attends, non, c'est pas ça que je voulais faire. Ça fait quoi, ça? Ça me fait la méga énergie. Bon, j'en ai claqué. Attends, retour à l'arbre. Il y a un endroit de... attends, je vais juste voir les sauvegardes. Il me semble que ça sert de... sauvegarde automatiquement, mais... Je crois qu'il faut passer là-dessous, au fait. Attends, voir. Il y a l'air de rien avoir. Non, il se passe rien. Attends, voir. Là, il y a quoi? Ok, c'est juste un autre passage. Ah! Calme. Putain! Alors au fait ce passage c'est juste là. Mais comment je fais pour... Ah ouais, j'avais pas pigé ça... Ah mais... Attends, est-ce que... Ah je dois le... Ah bah voilà, ok, ouais. Il semblait bien qu'il y avait un délire comme ça. Sauf que niveau énergie... Sargon, en haut ici.
C'est chaud, mon popo. Ah, plus de popo. Dis-moi qu'il y a un petit arbre. Ah, non, c'est vrai. Pourtant, on l'avait fait à la démo. Est-ce que j'ai mis... ouais. Les profondeurs du mal. Ah, c'est les photos que j'ai prises. D'accord, ok. Je savais pas ce que j'avais fait à ce moment-là, mais je viens de comprendre. Ok. Qu'est-ce que c'est ? Trouver des traces de Hassan et Anaïta. Non, je dois dire, j'ai tourné un peu en rond autour de l'arbre maudit là. Et toi? On dirait qu'ils ont évité les profondeurs de la citadelle. C'est dans ces profondeurs oubliées qu'on trouve les pires créatures. D'accord. Normalement, ce genre d'endroit ne me déplaît pas, mais Hassan n'est pas par ici. On fait fausse route. Merci, Rajen. Ce n'est pas là. Mais on va continuer par là. Qu'est-ce qu'on dit? Oh, j'ai loupé le truc là-haut. Merde. Salaud, j'avais pas vu. Il m'a pas semblé avoir été dans les profondeurs cosmiques. Au moins, on garde nos points de diamant, ça c'est déjà bien. J'arrive. Yes. Bon bah c'est reparti pour un tour. Ouais, je prenais le raccourci, tu vas pas m'emmerder. Bon, je sais. Ah, mais putain, mais j'ai fait n'importe quoi. Faut pas que j'essaye des trucs. Putain. Le mec.
merde. Ah, j'ai cru que ça allait, que ça allait le propulser de l'autre côté. Donc là, nous, on avait été dans les profondeurs, ça avait pas trop joué. Mais il y a un passage à gauche là. Ok. Oui, téléphone, j'arrive. Yes. Allez, zoom, zoom, zoom. Là, il y a un passage. Il y a aussi un passage juste au-dessus. Mais il me semble qu'on peut pas encore passer par là. Ça doit être par là. Hein. Là, je peux pas passer. J'ai pas le dash encore. Je peux pas faire le saut et puis boum. Pourquoi j'ai pas ce dash ? Attends, hein. Je peux pas passer. Je saute pas assez loin. Là, c'est la mort assurée. Parce que sinon, là, ils disent qu'on peut passer par là-dessus, là. On va voir. Emmenez le prince à la porte du Simorgue. C'est bien ça, on pouvait pas passer. Hein. C'était scripté dans ce sens-là. Ne touche pas à Hassan. Si c'est le prince Hassan que tu veux, alors viens le chercher. Anaïta! Anaïta était juste là il y a un instant. Elle emmène Hassan à la porte du Simorgue. Peut-être bien qu'Artaban avait raison, elle veut s'emparer du trône. Et ça, au-dessus. C'est quoi? Je sais pas. Mais si on veut rattraper Hassan et Anaïta, il va falloir bah, le détruire. Tu tapes dedans, il y a des corps qui bougent. Trop loin. Pour toi comme pour moi. C'est Ménolias qui pourrait nous aider. Varam l'a envoyé en reconnaissance dans la forêt. Je vais essayer de le retrouver. Je cherche un autre passage. Là, on peut passer par là ou par là-haut. Là-haut, bon, ça me paraît... bon, là, on peut pas. Ici, j'ai pas encore vraiment vu comment ça se passait plus haut là. Déjà, j'aimerais bien. Non, je peux pas. Donc j'ai pas le choix. Je peux pas sauter puis dasher encore, comme ça. J'ai pas l'arc. Tant pis. Ou alors dans la démo on avait quand même pas mal plus d'équipement, hein, les flèches et tout ça.
Donc là, on peut descendre par là. Je vais juste voir ce qu'il y a juste là. Il me semble qu'il y a un arbre. Non, c'est pas là. Je suis au refuge. Ok. Du 24 au 8. Ouais, intéressant, cool. On pourra se voir alors. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai rien à faire là. Chez Jeune Masse, salut Cosimo, comment tu vas? Bienvenue. Ah. Il y a The Kitchen là, il y a quoi? Ah, c'est un refuge des. Ah là, je peux faire un déplacement rapide. Ok. Et puis, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Qu'est-ce qui t'amène ici, voyageur? Mes frères d'armes et moi sommes à la poursuite de... Parce que je vais pouvoir dasher en sautant là. Toi et les autres êtes également piégés ici. Le mont Kaf amène son lot d'aventuriers. Prends garde, guerrier. La mort et la misère rôdent dans la citadelle. J'ai déjà regardé. Bah, c'est cool, ça fait plaisir d'entendre que tu sois à Jeanne Messe. Même le guerrier le plus déterminé doit être préparé. Elle a des propriétés uniques qui peuvent t'aider. Chaque amulette est précieuse. On peut seulement en changer à un arbre wakwak. J'en ferai bon usage. Alors, augmente faiblement la santé maximum. Les portions de vie ajoutées régénèrent uniquement les arbres wakwak. Équiper les amulettes, ok, d'accord. Donc ça me permet... comment je fais pour équiper les amulettes? Amulettes. Voilà. Ah ouais, uniquement sur l'arbre. D'accord. Ah voilà, un deuxième arbre. Ah bah c'est parfait. Ok, on a un deuxième point de sauvegarde, c'est bien. Et puis amulette, donc on va équiper celle-là. Voilà, ça me fait un point supplémentaire. Puis donc, là, il y a un autre passage. Le loyer est de 400 par mois, 200 pour deux semaines. Bon, juste une chambre, mais bon, ça va le faire. Moi, tu m'étonnes. À ce prix-là, c'est donné, mon gars. Franchement. Parce que tout ce qui est autour de la Suisse, là, ils ont commencé à augmenter les loyers. Franchement, là, à ce prix-là, c'est... Puis une chambre, ça suffit, hein. C'est que du bonheur. Non, c'est parfait. Ah, tu dis qu'il n'y a pas de cuisine? Ah, si, ouais, il faut une petite cuisine quand même. Faut pas esquiver ce qu'il y a en... Attends. Je me suis mal pris avec lui, mais total. Ah, tout compris, et cuisine, et si cuisine, et même internet. Bah, de Dieu, franchement, ok.
que veut le peuple. C'est juste parfait. Chambre meublée. Ouais, nickel, hein. Ok. Franchement, je saute pas assez haut pour aller là. Puis qu'est-ce qu'il y a en haut? Je peux pas savoir. Je n'ai pas les compétences pour. C'est ferme out. Ok. Donc, mais on est où là? Ok, là c'est fermé. Faut aller plus bas. Mais y a copain là. Ah. Il m'a touché. Salaud. Ouais, d'accord. Il y a encore un autre passage en dessous, on va d'abord voir par là. Waouh. Que le sable du temps révèle la prophétie. Prophétie du mont Kaf. Ramasser. Nouvelle amulette obtenue. Gloire d'Arslan augmente légèrement les dégâts de mêlée lorsque la santé de Sargon est au maximum. Équipez les amulettes à un arbre. Wok wok. Ok, Simorph, prince. Il y a des énigmes. Ok, et donc au niveau de la salle, ok, c'est stylé. Puis y a rien là. C'est joli. Ok, donc là, passer par en dessous, je pense. Il doit avoir. Ah, je suis pas assez grand. Pas passé. Ah ok ok. Ah mais attends. Il y a vu quelque chose. C'est où? Attends, donc là on peut passer là. Ici on peut remonter par là après. Là-haut on n'arrivait pas. On va passer par là. Juste en dessous. Sauf que. Ok, ok. Ah ouais, d'accord. Allô. Ah
purée. Non. Est-ce que j'ai gardé mon amulette? Ouais, je la garde, heureusement. Ok, on augmente légèrement les dégâts. Ok. Je suis où là? Ok, un arbre ici. Ok. C'est là où je suis mort. Après là, ouh la flèche. Mais mec, en fait il y avait rien là. Ah, ça a ouvert la trappe là-haut. Ce qui fait que maintenant j'ai un raccourci. C'est ça ? Ouais. Ouais, très très bon ça. Ah, stylé. Ok. Ok, c'est bloqué là. Donc là, ni à droite ni à gauche. Donc un peu au-dessus, ok. Obligé de passer par là. J'attends la réponse du mec pour la location. Je te tiens au jus, ouais, avec plaisir, c'est cool. Donc en fait, quand tu vas pendant la période, là, c'est pour voir l'appart ou comment ça se fait? Salut Poison, comment tu vas? Bienvenue. Ouais, moi aussi, cool. Ah bah regarde. Regarde ce qui est en train de charger là. Je l'avais déjà depuis longtemps, mais on va pouvoir se le faire tranquillou, Resident Evil, premier du nom. Donc ça va être assez cool. Chou. Ah mais je peux pas passer là non plus. Je peux pas passer ici. Donc par où je vais? Là la salle, les bloquer après. Ouais, premier du nom. Alors moi je l'ai fait quand j'avais la PlayStation 1. Ça fait très longtemps, donc je me souviens plus de rien pratiquement. Donc on verra comment on se le fait. Mais certainement ce week-end. Ouais, je pense qu'on sera peut-être des petites solus. Bon, faut que j'aille où là? La salle, là, je l'ai fait là. Alors, ça, c'est la mage. À mon avis, ça doit être par là-haut. Parce que là-haut, on n'était pas monté encore. On était passé d'abord par ici. C'est probable. Est-ce que je peux me téléporter là?
Non mais attends. Il n'y avait pas des points de téléportation ? Bien sûr, après avoir passé les entretiens, je passerai au local avec la bonne bière. Mais bien sûr, j'espère bien. On pourra se faire un Street Fighter. Ouais, la bonne bière, ça me donne envie, là. Karine. Ouais, ouais. Bon, là, ça broute, je pouvais pas passer là. Je peux pas... Pourquoi je peux pas téléporter? Ouch. Bon. Je peux pas téléporter, ouch. On va essayer de passer par là-haut, hein, on va voir. Oula. Bon, ça, c'est la pièce qui est chiante, d'accord. Mais on l'a fait. Ce qui a permis d'ouvrir la trappe qui est là. Allô? De quoi les cadeaux? De quoi les cadeaux? J'ai eu un petit coup de panique là quand j'ai vu le bonhomme. Donc alors l'idée serait de remonter par là. Parce que là on sait pas ce qui se passe. Bah c'est par là hein. Mais mec, laisse-moi vivre. Muerte, está muerte. Falla la cuya de putana de Troya, putain de merde. Ben ouais, non mais. Bon, ça va, on est pas loin. Il doit y avoir une combine là-haut. Eh mais foutez-moi là, mais... C'est la mort. C'est la mort assurée. Allez, mais foutez la merde là. Foutez la merde. Foutez la merde. Olé. Wow, et calme-toi. Est-ce qu'elle repop? This is the question. Ça n'a pas l'air. Bon, là, il y a un truc à faire, hein, mon gars. On prend une petite popo pour voir. Je peux pas. Comment je fais pour faire un big jump? C'est quoi l'histoire de big jump? Il y avait un big jump? Non, c'est saut. Rester appuyé pour sauter plus longtemps, ça marche pas. Hein. C'est pas Mario. Non, mais là, j'y arrive pas, hein, c'est sûr. Non, non, j'arrive pas là. Donc par là, je peux pas monter. Ici, il y a comme un blème aussi. C'est pas là. Hein. Là, c'est une sortie au fait. On doit faire un truc. Bon, alors peut-être qu'il faut descendre ici. Par là. C'est le seul truc qu'on n'a pas fait. Puis après, ça va rejoindre après par ici, je pense. Ça doit être une petite combine comme ça.
Toi, t'as plus rien pour moi ou ah, on peut acheter des trucs. J'ai 429. Ok, et puis des améliorations. Efficacité de la potion plus 1. Potion supplémentaire. Ah. On va crafter un peu pour avoir une potion supplémentaire. Parce que ça c'est l'idéal. Bah, achète tout. J'ai 429. On peut pas tout acheter. Ouais, je vais la voler. Vipère à cornes, c'est quoi? Protège le porteur en diminuant légèrement les dégâts liés à l'état empoisonné, d'accord. Ouais, il nous manque 50. Je pense que le truc le plus sérieux en ce moment, là, ce serait d'avoir une potion supplémentaire. Ça passerait bien, je pense. Ouais, d'accord, d'Aquado. Alors, le passage, par contre. Le passage, à mon avis, ça doit être par là. On va voir. Puis ça, là-haut, j'ai pas compris, hein. Yo, on n'est pas capté, c'est quoi la déco bon, on va prendre l'ascenseur. Hein. Ah, attends. Comment ça se passe? Ah. On peut monter. C'est vraiment la Metroid. Je suis tout en haut. Qu'est-ce qui se passe tout en haut? Oh, il y a un passage où... Tiens donc. Je voulais aller en bas, mais... Mais on est dans la haute citadelle, là, du coup. Entendu. C'est un vrai labyrinthe. Trop de putain de on a ça, c'est un vrai labyrinthe. C'est un vrai labyrinthe. Oh, salaud les violons. À gauche, à droite, c'est le néant inconnu total. Salut. Il y a plein de trucs, mais là, j'ai pas le double saut. Est-ce que je peux m'accrocher? Bene. Oh, le salaud. Oh, le coffre. Le cadeau pour Simon, c'est un beau Brésilien. Elle aime pas les Brésiliens. C'est pas des mecs. C'est pas des mecs. 4 étoiles royales. Augmente légèrement les dégâts des attaques de mêlée réalisées dans les airs. Ah, ok. Équipé des amulettes d'un arbre. Wok wok. Très bien, ça. On a été là pour ça. Ok, puis il y a un passage. Il y a un passage en bas aussi. Ah ouais, il y a un truc en bas là. C'est ton vrai prénom à ta campagne, mon voisin est brésilien, je vais lui dire ça. Ouais, tu peux lui dire. C'est pas des mecs. Je sais pas où je vais. On est en plein milieu et ça remet à ici. Donc nous, on voulait peut-être aller là-haut avant. Ouais, là-haut. Waouh. Son. Ah. C'est son vrai prénom à ta compagne. Elle s'appelle Simone, ouais. En voiture, Simone. Ouais, c'est son vrai prénom. C'est rare d'entendre ce prénom. Ma grand-mère s'appelait comme ça. Ouais, tu m'étonnes.
Mais elle a pas de bagnole, puis elle a pas de permis. Donc c'est vite réglé. Là il y a un truc, ah il y a un truc qui brille. Qu'est-ce que c'est? Objet de collection obtenu, premier prototype dans l'ascenseur. À plateforme et à contrepoids. Ouais, en vrai, c'est cool. Ça permet de faire plein de blagues. Je peux pas aller là-haut? Ah, je retombe là. Non, je retombe nulle part là. Là, à mon avis, j'ai pas moyen d'y aller. Hein. Non, là, j'ai pas encore le moyen d'y aller. This is the end. Puis du coup, ok, ok. Good, good. Du coup, on va par où? La gauche ou la droite? La gauche, ça m'a l'air plus safe. Olé. Yes. Il n'y a plus de bière. Je suis au thé froid. Ça mérite un thé froid. Ouais, donc si on peut, si on a l'utilité de faire des photos dans le jeu, c'est parce que c'est un vrai labyrinthe. L'idée c'était d'aller plus bas. On a vu ce qui s'est passé là-haut. Bon, on a pu récupérer des trucs intéressants. Ah, se baigner dans le lac. Ouais, tu crois que c'est judicieux de se baigner dans le lac? je retourne ici. Ah non, mais moi je vais aller plus bas. On peut pas aller plus bas que ça là. Bon bah là-haut c'était la merdasse. Il n'y avait pas de passage. C'était un autre endroit par où passer, je sais pas. Est-ce qu'il y a un truc secret ici? Pose une colle. Peut-être que maintenant il faut descendre par là. Parce que là on n'y arrivait pas. Hein. On va aller à l'arbre. On va déjà aller à l'arbre. Pour activer les mulettes. Il nous manquait 50 hein, pour avoir des. Il nous manquait 50 là. Et puis l'arbre il est après. Ok, celle-là. Ah, il faut un emplacement supplémentaire. Donc on doit acheter l'emplacement supplémentaire. Est-ce qu'il faut acheter l'emplacement supplémentaire avant de mettre la potion supplémentaire? Je pense que peut-être. Hein, augmenter légèrement les dégâts, les attaques mêlées réalisent dans les airs. Mais est-ce qu'on le gagne au fur et à mesure ça? Je sais pas. Bon, du coup, on passe par où alors? Là-haut, on n'a pas pu y aller par là. Pourquoi on n'a pas pu aller par là? Il n'y a aucun point de téléportation. Là, c'est un passage qui revient par là. Ici, on n'arrivait pas à passer. Hein. Faut essayer de monter. Hein.
Sauf que... Bah, il y a toujours les chauves-souris qui nous font chier. Wouh! Il y a de l'or là, mais je peux pas le prendre. C'est bizarre parce que là, je vois pas tout ce qu'on peut faire là. Hein. Dans les... C'est quoi sa premier prototype d'un ascenseur à plateforme et à contrepoids? Mais est-ce que c'est... Parce que là, je peux pas descendre avec l'ascenseur. Non, il montre bien qu'il est là et que ça monte, mais... C'est... Ça devrait pouvoir descendre. T'aimerais bien, hein, Cosimo, hein. C'est excitant. Hein, qu'est-ce que tu vas chercher là? On se passera la pommade, hein? Purée, je suis paumé dans le moncaf là. Il y a un truc, forcément il y a un truc. Bon alors attends, je pouvais pas passer là. Faut que je me remémore là, comment ça se passe déjà là. Parce que c'est un peu the cac. Wow salaud mes mecs. Pas casser la porte. On ne peut pas casser la porte. On va essayer par le bas. Hein. Avoir quelque chose là. Putain, il y a une grille là, il y a une grille de l'autre côté. Comment c'est possible? Ah, il y a une. Putain, j'avais pas vu. Il y a une trappe là-haut. Oh le salaud, je l'avais pas vu. Il y avait une putain de poignée. Donc c'était bien par le bas, de toute façon quand on aura fait tout le tour, tu es vivant ? Forcément il n'y avait plus que ce passage là. J'avais pas vu la poignée. Longtemps. On est arrivé il y a quelques heures. Quelques heures ? Qui dure depuis 30 ans ? 30 ans ? Cet endroit est un cachot, impossible d'en sortir. Ah, les effets de voix sont stylés. Hein. Où sont tes compagnons d'armes ? Tous perdus dans la citadelle. Tous prisonniers du temps. Ce n'est pas une fin digne de guerrier. Prisonnier pour l'éternité. Un soldat doit mourir au combat. Libère mes frères d'armes. Non mais t'es un peu long du string là. Quête secondaire, les guerriers perdus. Tiens, il y a des quêtes secondaires dans l'eau. Objet clé obtenu, un signe de Persepolis. Noël était le bras droit d'un tacticien. Ça... ok. Donc, ça veut dire qu'on est où là? Bon, bah, découverte. Tiens. Il nous montre cet endroit. Oula, ça a l'air gymnastique là. Hein. Ouh là 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 là. C'est quoi ces trucs là? Attends, est-ce que... Il se passe rien?
ok. Donc faut... D'accord. D'accord, d'accord. Et... Ok, faut monter celui-là là-haut. Ok, j'ai compris. Quoi, je pense. Sauf que... Ok. C'est là-haut qu'il faut se mettre. Ok, mais comment je fais pour attendre à... Ça me paraît... qu'il soit plus beau le truc, hein. Faut qu'il soit haut comme ça. Sauf qu'après... Là, il n'y a que deux trucs. Un petit tour. Il est haut, mais encore un tour. Là, comme ça. Tu vas pas me dire qu'il faut le faire pendant que ça bouge. C'est quoi, chat? C'est quoi le système? Y a pas moyen de le... Est-ce que je dois poser un objet? Non, mais non, c'est pas Zelda. Droite, gauche, bon bah ça c'est pas compliqué, mais alors ah, attends, ok, ça le fait tourner. Voilà, arrête-toi, il s'est arrêté. Ouais, je crois que ça devrait être bon là. Je vois que ce qu'il faut faire, mais je suis incapable de mettre par écrit. Ouais, c'est... Ouais, j'ai trouvé. Mais il fallait y aller à tatillon. C'est deux tours gauche, trois fois droite, quatre tours de gauche. Oui, d'accord. On a ouvert la poêle. L'aventure. Oh. 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 Qui c'est celui-là? Ouais, d'accord. Ah, m'attendais pas à ça, ok.
mais non, pourquoi j'ai pas pris la potion? Ah, on peut réessayer directement là? Ah, c'est cool. Ah putain, mais oh ouais, faut que je me rappelle qu'il tournoie. Il tournoie. Ah. Non, mais trop tôt. C'est pas Tekken, hein. C'est pas Tekken, on peut pas le faire voler. On peut pas le faire voler contre le mur et le bastonner. Attends, mais attends! Mais mec! Putain, c'était joli l'esquive là, mais ça n'a pas duré. Est-ce que j'aurais exploité un petit bug là? Parce que quand... comme ça a slidé, c'était marrant. Ah, oh, il m'a chopé. Salaud. Non. Slide, boum, esquive, boum. Salut Thomas, comment tu vas? J'ai lu la mort quand j'arrive et salut tout le monde. Ben allez, ah, tu vois, c'est bon, on l'a passé. Qu'est-ce que j'ai gagné? Objet de valeur obtenu, un quart de pétale trouvé, trouver 4 pétales de l'arbre Soma pour augmenter la santé maximum de Sargon. Quelle bonne idée! Bon, bueno. Ok, ok. Un petit arbre dans les parages ou... Fer, où suis-je? Hé, attends. Fer, qu'est-ce qui m'arrive? Attends, qui tu es? Il a disparu. Il était bugué, le copain. C'est quoi les zones un peu violets comme ça? Un peu vert. Ça c'est pas un vert foncé, je sais pas du tout. Ah, j'ai pas de double saut, double machin, truc, j'ai rien du tout. Ce qui fait que il y a des trucs que je peux pas encore prendre. Non! Non!
serait bien que qu'il y ait un arbre quelque part. Parce que là, ouais, il y a un arbre ici. T'avais un arbre, ouais, un arbre là. Et Marcel. Utilise une attaque chargée pour briser le... briser la glace. Olé. Un arbre, bah voilà, quand on demande, il suffit de demander. Bonjour, bonjour. C'est la première fois que tu croises un arbre au Wakwak? Ben non. J'en ai déjà rencontré sur mon chemin, mais tu es le premier qui parle. Non, non, je ne suis pas un arbre au Wakwak. Je ne suis que résident. Ah bon? Il y a beaucoup d'arbres Wakwak dans la citadelle. Leurs branches nous servent de refuge. Elles peuvent aussi être une aide précieuse pour les voyageurs comme toi. Oui, j'ai remarqué. Ces arbres sont là depuis toujours, à l'origine de la vie. Leurs racines sont profondes, nourries par l'attrait primordial qui résonne en toutes choses. Mais la forêt traverse des jours sombres. Une créature venue d'ailleurs a semé le malheur et la désolation. Tiens, prends ça, tu en auras besoin. Miam miam, qu'est-ce que c'est, une pâte gomme? Un éclat souffle de Baham crée une explosion et une zone de soins qui permet de récupérer progressivement de la santé. Les ennemis à proximité sont repoussés et ne peuvent être déclenchés que depuis le sol. Un éclat d'Athéna de niveau 2, maintenir ZLX pour déclencher le souffle de Baham lorsque la jauge a atteint le niveau 2. D'accord. Ok. Ah ouais, c'est stylé. Créer une explosion dans les zones de soins. Ok, on pourra changer tout ça aussi. Attends voir, copain. Il y avait... Tu dis que t'es pas un arbre normal, mais... C'est quoi les éclats d'Athéna? Ouais, donc c'est ça. Ok. Et puis amulette. Donc la copine qui fait la... il m'en faut une de plus. On y va. Dans le mauvais sens, banane. Alors, d'abord, on va à droite. Ah, nom de Dieu. Aïe. C'est quoi ce... Et puis là, il y a quoi en bas? J'ai peur d'aller là et après ça a l'air d'être un... Un coup de sac. Attends, il y a comme un passage là. Ah, attends, voir. Est-ce que là... Ça passe pas? Normalement, faut tirer une flèche pour que ça s'active, ces trucs, il me semble. Donc, c'est un peu la merdouille, là. Je peux que passer par là en bas. Ok. Mm-hmm. La DA du jeu, j'aime beaucoup, hein. Ouais, des flèches, je sais, mais j'ai pas l'arc. Je n'ai pas d'arc. Un arbre. Wok wok. Amulette, gentille amulette. Non, toujours pas. Est-ce qu'il y a d'autres boutiques dans le jeu? Parce que s'il faut refaire tout ça, puis il y a pas, c'est pas des points. On peut pas se téléporter. Sur les arbres, si on veut aller rechercher, récupérer des trucs et tout, je sais pas. Je n'ai pas tout compris, tout ça, là. Mais là,
c'est... Ah, par en bas, parce que on peut aussi passer par la droite, mais là, il faut un arc pour activer le bordel et aller là-bas. Parce que là, ouais, là, c'est la mort. Heureusement que je reste accroché. Alors, plusieurs passages. Allez, à gauche. Attends, il y avait un truc qui allait au sous-sol par là. Oh, le contre parfait, quoi. Mais on peut descendre par là. Une défense d'Erlik, longue et aiguisée, tachée de sang séché. Ok, il y a des ressources. Bon, là on est à 503 maintenant. Là, alors, là on pourrait avoir une popo supplémentaire dans le magasin. Sauf que là maintenant il est un peu loin. Ah bah je pense bien que je vais trouver un arc, mais c'est peut-être pas ici encore que je vais le trouver. Ah là on revient ici là-haut. Putain, il fallait appuyer là direct. Comment ça marche? Putain, ça passe pas là. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Un sort horrible. L'armure est vieille et usée. Objet clé obtenu, un boulet de canon. Ok, bon, on va passer par là. Hein. Par contre, à droite, il y avait tout ça là, ici. On va continuer la route par ici. Hein. Oh, bah d'accord. Oh! Mais non, mais mec, si tu te gourdes de côté, ça va pas le faire. Putain, que ça, mec. Pas de barre d'énergie, mec. Bien, coco. Un signe de Persepolis a toujours apprécié les bijoux de même demander à Martisa d'écrire un poème. Bon. Bien. On est où, là? Ah, là, on est au cul du sac. Donc ça veut dire que maintenant on est obligé de passer par là-bas. C'était où l'histoire de la mission? Il était près de l'arbre. Attends, je peux pas passer par là-haut. Ah oui, attends. Non. Non. Je vais où là? Faut que je monte. Je peux pas? Il y a un blème. Je suis bloqué. Comment se fait-ce que je ne puisse plus sortir?
quel mur? Je suis pas Tarzan. Non, mais là, c'est bloqué, là. Là, ils vont bien que c'est bloqué. Puis là, bizarre. Il doit y avoir une combine. Ah, je peux pas monter sur le mur. Tu vois, il veut pas passer là. Bonne idée. Ok, bon, ok. Bonne idée. Merci, chat. Ça, c'est bon, ça. Du coup, on va passer par là en bas, ok. Mais mec, The Labyrinthos. Droite. Alors, on va à gauche d'abord. Port-Noyer, nouveau lieu découvert. D'accord. Est-ce qu'il y a du shop ou comment? Là. Coffre. Fragments de mémoire. Augmente le nombre de fragments de mémoire ok qu'on peut mettre et tout pour faire les photos. Gueule. Attends. C'est quoi le Binsm? C'était fermé quand je suis arrivé ou c'était ouvert? Dors un truc par là. Comment je passe? Yo ne sais pas comment yo passe. Je sais pas. Je vais la mettre fermée, mais cul-de-sac. Cul-de-sac. Hey Borny, comment tu vas? Bienvenue. Je ne sais plus comment je dois faire. Bon, on va passer par la droite. Par la droite. Ouais, d'accord. Yeah.
Alors attends, parce que là, il y a l'air d'avoir un passage en haut, un passage en bas qui est fermé. Oh. Et donc on passe par le haut. Je vais aller me baigner dans le lac Léman avec ses mags et des copines. Ça y est, il a fait le film déjà. On est bon. Oh ! Un sanglier ! Un sacré sanglier ! Ah, il fait des coups de sabot. Aïe, ouais d'accord, il fait des coups de sabot, on peut réessayer ? Ouais. Oh non mais attends. Ah putain. Allô ? Non ! Salut Cosimo, merci de la visite. Bonne soirée, bisous à Vanessa. Un coup de tête là. Pas bouger quand je suis comme ça, ok. Aïe. J'ai fait n'importe quoi, ouais, là.
Allez, allez. Allô. Salut. Excellent. Putain. On va la voir. Non. Non, trop tôt, putain. Mauvais run. Salut. Aïe. Non. Oui, c'était lui ou moi, hein. Il me touchait, c'était fini quoi. Yes, bon bah c'est passé. Nouvelle amulette. Louvre promise convertit une petite partie des dégâts encaissés en progression sur la jauge. Ah bah ça c'est pas mal équipé les amulettes. Un petit arbre, un petit arc, rien du tout. On peut pas aller en haut. Yes, merci Jack. L'arc, il est là. Yes.
l'arc de Ménolias. Qu'est-ce qui s'est passé? L'arme de prédilection de Ménolias, archer mythique des immortels, appuyé sur X pour tirer des flèches et tout, machin utilisé pour visser, c'est bien visé. Ok, donc là j'ai pris l'arc. Donc maintenant je vais pouvoir activer ce bordel. Déjà on va remplir, je suis au max. Ouais d'accord, attends. D'accord. Comment je fais pour viser au fait? Je pige pas trop. Je ne pige pas, pourquoi je peux pas viser? Je devrais pas avoir un petit trait. Il me semblait qu'il y avait une espèce de petite flèche. Attends, il y a quoi là? Un truc à droite. Un arbre. Très bien. Yes! Cool! Alors les amulettes, ouais, mais il n'y a plus de magasin. Ah, celle-là, je pouvais la mettre. D'accord. Par contre, celle-là... Ok, 5 sur 3. Ok, entendu. Yes! Bah, écoutez, je crois qu'on est pas mal. On est pas mal du tout. Bah, à la suite dans un prochain épisode. Yes. Merci à celles et ceux qui étaient là. Merci Jack, merci Cosimo, merci Poison, merci Brownie, vous étiez tous là, ça fait plaisir. Et bah je vous dis à demain pour de nouvelles aventures aux alentours de 18h. Et des gros bisous, prenez soin de vous. Faites pas les foufous. Et à bientôt. Ciao ciao. Na na na. Oh yeah.